Du coup, le chat, tribunal des bannis, je pense que ça va durer un petit moment. Je sais pas combien de temps ça va prendre pour traiter les 100 bans, c'est les 100 demandes de déban. Donc prenez à manger, à boire, je ne sais pas. Donc, qu'on mette les choses au clair. Tout ce qui est racisme, homophobe, toutes les phobes, tout ce que tu veux là, ça, ça reste ban perm. On débannera pas, même s'ils nous sortent des meilleures excuses sur ce que tu veux. Après, tout ce qui est trash sur level, trash sur le niveau sur Valorant, des petits trucs comme ça, on peut déban, on peut discuter, tu vois. Mais tout ce qui est racisme et homophobe, tout ça, là, c'est ban pour toujours. Aujourd'hui, malveillance, non. Moi, je sais que je suis gentil. Je compte sur vous, le chat, pour vraiment ban les gens qui méritent d'être ban, parce que moi j'avoue que parfois je suis un peu gentil et du coup j'ai tendance à déban des gens parce que je me dis qu'ils sont jeunes. En fait, j'utilise beaucoup l'excuse de il a 14 ans, il est encore tout petit, alors qu'en vrai c'est pas vraiment une excuse. T'es jeune ou que t'es pas jeune, tu mérites un ban si tu dis de la merde. Donc je compte sur vous, le chat. Alors celui-là, je l'ai vu juste parce que j'ai cliqué dessus par curiosité. Là, le roi Rekudo, tu les amutes, midi 24, MDR le rat, et ensuite le P-word. Un viewer du chat. Donc c'est même pas envers moi, c'est un P-word, un viewer du chat. Ban, c'est Julie qui la ban. Et la ban direct. 13h57, elle a vu le message et la ban direct. Ro, c'était une boutade. Tu commences par les plus récents? Ah oui, c'était à 3 jours. Bon, c'est pas grave, on finit celle-là, après on ira sur les anciens. C'est vrai que c'est mieux de faire les anciens jusqu'aux récents. Bon, ça, je pense que le chat, on rejette la demande. Y a même pas besoin de débattre. Le mec, il a sorti le P-word, je rappelle, c'est raciste. Des bans, P-word, y'a rien. Oh, comment ça, le P-word, y'a rien? Bon, mettez un ban à Wolf. Vu qu'on fait tribunal des bannis, on... mettez un ban à Wolf. Voilà, merci. Il a dit, le P-word, c'est rien. C'est un fou. Ah oui, non, bannez-le. Il a dit, c'est rien. Genre, c'est comme si t'as N-word et tu vas me dire, c'est rien. C'est un ban direct, frérot. En plus, il est... Vous l'avez pas vu, son message, parce qu'il était en shadow ban, ce mec-là. Mais là, il mérite un... En fait, ça se trouve, il a fait ça juste pour passer dans le tribunal des bannis. Si oui, la vie de ma mère, Wolf, je te banne encore. Fallait pas jouer avec ça. Il va faire une demande de déban, mais je vais le ban. Ok, du coup, ça, le chat, on rejette la demande, on est d'accord, hein. On rejette la demande, il n'y a pas besoin de débattre. C'est du racisme. Le P-word, c'est... P-word, c'est... Comment on dit le mot... C'est quoi le mot, banalisé? C'est trop banalisé. Voilà. Comme ça, si au cas où il est pas au courant et que c'est un petit de 14 ans, il le saura. Wesh! Sérieux, lui? Adamus 15. Ban, non, s'il te plaît, pub, grosse pub, big pub, dehors. Cette pub, frère. Ban, t'es naïf. Ban, bien ouvert, des ban def. Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, elle a participé à un tribunal des bannis. C'est pour ça qu'il a mis ban def, etc. Donc c'est un ancien qui a participé à l'ancien tribunal des bannis. On n'a pas la date. Banni le 16-12. C'est de l'année dernière, frérot, en mois de décembre. Ban. Mais frérot, mais il spam, en fait. Comment on a laissé passer ça? J'ai pas le chat d'excuser quand même. Genre, il n'y a pas 1 milliard de messages par seconde. Comment on a pu ne pas voir qu'il a spam comme ça? Comme un malade mental. Salty. Toujours Kavainé, River. C'est raciste, ça, le chat. Oui, c'est Vinny qui l'abonne du coup, ok, à 20h. Du coup, en plus, il était présent sur un live du soir. En décembre, j'ai fait des lives le soir. Désolé, j'ai misclick le S. Mais aussi, désolé pour plus tard dans le chat. Bon, qu'est-ce qu'on fait, le chat? Qu'est-ce qu'on fait? Ça reste raciste, parce que ça, c'est un personnage dans les Simpsons. Et pour moi, c'est une moquerie. Et ça reste raciste, tu vois. Pour moi, c'est un ban, tu vois. On n'a pas besoin de débattre. On a dit qu'on ban les trucs racistes, oui, ça reste raciste. Ouais, le ban. En plus, il est ban depuis décembre. Il a dû nous oublier, je pense, depuis. Oh, tu la demandes. Félix. Lost again, I see. No, I just wanna give you good luck. Julie, la banne. I did nothing wrong. C'est un anglais, frère. Attends, depuis quand on commence à même ban des anglophones dans le chat? C'est un mec qui a joué contre moi. Après, il est venu dans le chat pour dire... En fait, c'est un viewer qui était avec moi. On a perdu. Et après, il est venu sur le live. Il a regardé ma deuxième game. Il a vu que j'ai perdu. Du coup, il a mis encore un message comme quoi j'ai perdu. Et dans la première game, il était toxique. Du coup, c'est pour ça que je lis la ban. Je sais, Sanjay, je sais. Enfin, pas précisément, mais oui, il se foutait de moi, en fait. En fait, il a dit ça en mode ironique, quoi. Il a dit, oh, you lost again. Et après, moi, j'ai tilt et du coup, j'ai dit ban-le, quoi. I did nothing wrong. En vrai, je pense qu'on peut le déban, hein. Oh, ça va. Hein. Je pense qu'on peut le déban. C'est pas un stream hacker, c'est un mec qui est tombé avec nous. Et il était juste en train de. Il était toxique, quoi. Je pense qu'on le déban, le chat. Sorry, bro. I was tilt. En fait, chaque fois que je déban un mec, l'excuse, c'est j'étais tilt. Accepter de demander des bans. Le roi des rats de Yo, moi l'arena, je te stream hack pas.
En fait, moi, en fait, les bans les plus incompréhensibles, c'est moi, en fait. C'est pas les modérateurs, c'est moi. Mais en fait, c'est moi qui ban le plus. Je suis sûr, on m'a stream hack. Je pense qu'on m'a stream hack. Et je me rappelle d'un roi des rats qui est tombé contre moi. Et je crois qu'il est venu dans le chat pour me dire qu'il m'a pas stream hack. Alors toute la game, il m'a stream hack. C'est pas ma faute si t'es nul au jeu et que je t'ai éclaté. Je peux vous assurer qu'il m'a stream hack. Je peux vous assurer qu'il m'a stream hack. Je me rappelle du roi des rats. C'est pour ça qu'il est venu dans le chat. Bon, là, instant ban. En plus, il a dit directement, hein, la game, elle est finie directement à midi 2. Il a lâché le message. C'est moi l'arena, je te stream hack pas. Il a dit qu'il me stream hack pas alors qu'il m'a stream hack en plus. On avait des preuves. Qu'est-ce qu'on fait de le chat? Le stream hack, c'est mal, hein. Si on le déban, ça te donne l'exemple que c'est bien de stream hack. Mais en plus, lui, sa photo de profil, 100% sans pseudo, sa photo de profil. Premier message dans le chat, il parle du stream hack. 100% il m'a stream hack. Des ban, c'est de l'humour. Vous savez quoi? C'est la roue qui va décider. Parce que là, on sait pas. Oui, j'ai lu le message de Deban. Il a dit, si t'es nul au jeu, c'est que je t'ai éclaté, c'est pas ma faute. En plus, il est arrogant, quoi. En plus des stream hack. Vous savez quoi? On va faire la roue. Vous, roue ou pas, le chat? Vous voulez plus qu'on ban? Ok, putain, vous êtes méchant, vous êtes plus méchant que moi. Moi, je lâche des bonnes pierres, mais vous, qui rush la demande. Parce qu'en plus, ça date, hein. C'était le 22... C'était en décembre. Enfin, pas en décembre, pardon. C'était l'année dernière, au mois de... Le 7, c'est le combien? Tiens, le 6 juin, juillet, c'était en juillet. Comment... Waouh. Sanjay, pourquoi t'es pas bon à Valo? Ouais, pas mal, pas mal. Ah, mais c'est réel, lui aussi. Plus 1, après il a mis des trucs. Chelou. Lui se botte la timeout, ensuite tu lis la ban. Ça s'appelle comment? C'est J-Pox. Salut les modos, vrai, c'était du troll parce qu'on regardait le stream entre potes. J'ai fait ça pour qu'on rigole, quoi. Enfin bref, voilà, désolé. Monte pour voir son dessin. Bah, on voit pas complètement, frérot. Vu que c'est aplati. Qu'est-ce qu'on fait, le chat? Ban? En vrai, ça, c'est pas si grave, non? Surtout quand personne n'a vu son message parce que le Vizbot, il a instant timeout. Moi, je dis, c'est des bans, le chat. Vous êtes trop... En fait, je comprends pas. Vous êtes trop méchant avec certains. Moi, je dis, c'est un déban. En plus, c'était normal avant. Il parlait tranquille, quoi. Après, à un moment donné, il a un peu jugé mon niveau en disant que j'étais pas bon à Valo. Mais c'est son avis. Il a le droit de dire que je suis pas bon à Valo. En vrai, des bans, le chat. Des bans. Sois normal, mec. Clairement, sois normal, mec. Waouh, mais il y en a, ils parlent. En fait, il parle plus avec d'autres gens dans le chat qu'il parle avec moi-même. Mais c'est son pote, en fait, Mighty Sim. Orvox qui parle avec Mighty Sim tous les jours. Ah ouais, il adore parler, en fait. Ok, un de ces mal, je préfère l'épée, préluge du chaos ou l'épée... Quel chien. Putain, j'allais tomber dedans, en plus. C'est moi qui les banne. Je les banne direct quand j'ai capté. Salut les modos, salut Sandra, je tiens à m'excuser de ce comportement débile. J'étais avec des potes et on faisait des teubés, ça se reproduira plus. Je suis d'habitude un viewer assez souvent présent et j'ai le seum d'être ban, bonne journée. C'est vrai que c'est un viewer assez souvent présent, mais là pour le coup, ça c'est ban, le chat. Hein. Le pire c'est qu'il s'est excusé, mais est-ce qu'on peut accepter ses excuses? C'est ça la question. Pour moi, ces excuses qui ne sont pas acceptables. Même si ça reste un jeu de mots, la blague était drôle. En fait, c'est des moments vraiment compliqués parce que tu vois que le mec, il a vraiment voulu faire une blague, mais il peut pas faire ce genre de blague. On fait la roue? Tu sais quoi, on fait la roue? Généralement, la roue, elle tombe tout le temps sur ban. La dernière fois que j'ai fait ça, elle s'est tombée tout le monde. C'est un déban. Ok. Il a de la chance. Soit respectueux. Putain, comment j'écris, frérot? Respectueux, même avec des blagues, s'il te plaît, c'est pas bien. Putain, j'ai peur de le revoir, le chat. J'espère qu'il va pas sortir des blagues comme ça après. Tu coaches Valorant, Kings Skywalks. Tu coaches Valorant, comment tu fais pour avoir 5 de ping? You like? Je dis la bonne, ce n'est pas drôle. Unbannez-moi, s'il te plaît. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah, Julie, tu la bannes pour ça? Je pense que le dernier, celui qu'on a fait la roue qui vient d'être déban, ce mec-là, il méritait plus un ban que lui, là. Même si c'était un des viewers présents, etc., sa blague était très déplacée. Même... Je sais que je l'ai déban, mais je suis pas sûr de moi. Hein. Bannez-moi, s'il vous plaît. Bon, lui, c'est un déban, le chat. En vrai, il a juste voulu faire une blague, je pense, d'avoir 10 ans. Bon, retour. Oula! Oh, mais y en a, il parle, hein. Trop nul les meufs en jeu, en ça. Ah. Ça commence très mal. Le premier message que je vois, c'est trop nul les meufs en jeu, ça. Après la meilleure Wendell, nanana. Après tu prends un joueur comme Scream, il est meilleur que tous les joueurs Valo. Ah ok, Scream ça se tape avec d'autres mecs. Ah, lui c'est un mec, il était là pendant le débat. Pendant le débat Scream, les joueurs pro et les joueuses pro. Je pense que c'est par rapport à ça. Scream ça se tape avec d'autres. Mais regardez juste le revient, liquide masculin, c'est liquide féminin. Comment les meufs se font terminer. Ok.
Mais pour lui, les meufs, c'est vrai, ils sont vraiment nuls, les scrims et les autres, c'est incroyable, quoi. Je dis peut-être n'importe quoi. Non, mais c'est pas méchant, j'ai juste du bon offre dans le lobby. Julie a banni, psito. Merci beaucoup pour tes 1,20€, Soso. Merci beaucoup. J'avoue, j'ai fait le gamin, j'étais cheaté en vrai. Merci, si tu débannes, sinon je comprends et bonne continuation, BG. Oh, il est respectueux en plus. Qu'est-ce qu'on fait? Il était chiant. Parce qu'il a le droit, il a le droit de penser que la scène féminine, elle est moins forte que la scène masculine. Genre, il a le droit. On peut pas dire qu'il a pas le droit. Et en plus, il a été respectueux. Il demande à tout le monde qu'il contredisait oui, parce qu'il rentre dans un débat. C'est humain. Dès que t'es dans un débat et tu vas essayer de contredire tout le monde, etc. Mais pour moi, il a le droit de penser qu'une scène est moins forte qu'une autre scène, tu vois. Il n'a pas dit qu'il devait arrêter de jouer, il a juste dit qu'elles étaient moins fortes. Oui, il a juste dit qu'elles étaient moins fortes. À aucun moment, il a fait des trucs en mode... Parce que quand c'est des sexistes dans le jeu vidéo, c'est pas ces termes-là qui sortent, hein. C'est bien plus violent. Donc là, il dit juste que la scène masculine est plus forte que la scène féminine. Et là, il prend l'exemple de liquide masculin contre liquide féminine, etc. Donc pour moi, c'est un déban, le chat. Vous en pensez quoi? Déban ou pas déban? Pour moi, c'est un déban, le chat. Hein. Il a aucun moment, il a sorti... Faut pas... En fait... Faut pas abuser le truc, tu vois, parce qu'après, les gens, ils peuvent même plus donner leur avis sur quelque chose. Donc, c'est son avis à lui si il trouve que la scène féminine, elle est moins forte que masculine. À quel moment il a été irrespectueux, tu vois. Donc, pour moi, c'est un déban. Salut, t'es boost. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de trucs comme ça. J'ai rejeté sa demande parce que sa photo de profil est chelou, en fait. Donc, je préfère rejeter sa demande. C'est un mec bizarre. Juste pour sa photo de profil, je lui mets un ban. Salut Sanjay, j'ai écrit ces messages bien après... Ah oui, il a spam des numéros chelous. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ces chiffres aléatoirement. Je comprends le motif de mon bannissement. Or, je souhaite rappeler que je n'ai pas pris des punitions moins importantes avant ce ban dev. Je m'excuse d'avoir taché le chat. Je t'ai pris de faire preuve de bienveillance. Je promets, je ne plus jamais recommencer et lâcher mon prime au moins 5 mois. Merci. Ça, c'est un ancien sub et lâcher mon prime au moins 5 mois, merci. C'est pas un ancien sub, il promet qu'il va lâcher 5 mois de sub ou c'est un ancien sub? Je pense qu'il mérite qu'on débatte, non? N'hésite pas à lâcher 5 mois de sub comme promis. Recoiffe-toi, Big CSC est les meilleurs que toi, Slyard. Bon, tu vas pas mettre le rank au lieu de parler là, tu parles trop, je te jure. Ah ouais, je les banne. En fait, les gens, quand je suis en train de discuter. Et les addicts de Valorant qui me disent lance une game. À des moments, j'avoue, il y a des bans qui vont. Du coup, tu m'as dit que j'allais être déban après les 15 minutes, mais je dois faire une demande. Et comment j'ai parlé, c'est du secondaire, je te jure. Laisse-moi parler. T'as déjà, il parle autour. Oui, je sais, le truc par rapport au racisme, il parle à moi. Mais ça, par exemple, il parlait à un viewer. Donc, sûrement un viewer qui défendait le racisme, j'en sais rien. Bon, je te la demande, je pense. Waouh, mais lui, il parle. Oh. Il parle. L'annonce, juste imagine MD, arrête de mentir, j'en étais sûr. Par contre, les subs, ça a été vraiment pas bien. Ça, c'est vraiment pas bien. J'ai pas des trucs, la blague, ok, mais tu grattes pas des subs. Rejoue des skins, ouais, une blague, tu grattes pas des sous. Vlog avec Tense, Ra, on va t'attraper. Cagoule, Joku Tense. Vu que je Joku avec Tense. Tu grattes pas des sous sur du second, une blague. Oui, tout le monde a fait la blague, mais tu grattes pas des sous. Vas-y, toi, arrête de... Je parlais à mes joueurs. Alors arrête de sucer, j'imagine qu'il a dit ça vite. Moi je me rappelle, ça c'est l'annonce à 22h, vous vous rappelez ou pas? C'est qui était là pour l'annonce à 22h. C'est l'époque où sur Twitter, Squeezie ou je sais plus qui a mis annonce à 19h je crois. Et du coup il y avait une vague de annonce à 22h, annonce à telle heure, etc. Du coup tout le monde avait fait une blague, genre en titre on avait mis annonce à telle heure. On avait tous suivi le mouvement et du coup lui il avait mal pris. Et je crois que sur le live j'avais dit ouais... 5 subs, je fais l'annonce, etc. Du coup, on avait resté jusqu'à 22h et après 22h, j'ai dit, bah, au final, il n'y avait pas d'annonce. Mais de base, j'avais dit qu'il n'y avait pas d'annonce. Mais il y a des gens, ils ont vraiment forcé pour voir, il y avait une annonce, alors qu'au début du live, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'annonce. Et du coup, lui, il avait mal pris. Après, il a dit, je parle d'un viewer, alors qu'il a bien insulté le modo, en fait. Quand on a dit, arrête de sucer toi, c'était directement vers le modo, je me rappelle encore. Commentaire du modérateur. Ce viewer, c'est. Oui, c'était, voilà, c'était pour toi en plus. Je me rappelle. Bon, il a insulté un modo, qu'est-ce qu'on fait? Il a pas respecté la modération. Et normalement, il est censé respecter la modération. Genre, si tu respectes pas les modérateurs, c'est pour moi, c'est un ban. À moins que le modérateur veut qu'on le débanne, parce que l'insulte vient sur le modérateur. Et moi, si ça touche à la modération, c'est un ban. Il est actif après? Ouais, mais actif, comment ça actif? Après, c'est vrai que c'est un viewer qui est là souvent, quoi. Pas souvent. Il a tenu un mois dans le chat.
Après, le modo, il a dit quoi aussi? Bah, le modo, je connais mes modos. Mon modo, il va pas dire ta grand-mère, tu vois, il va pas l'insulter. Mon modo, il a dû dire frérot, c'était une blague. Il a dit au début du live, c'était une blague, blablabla. Et il a dit arrête de sucer, tu vois. C'est vrai qu'il a il était énervé, il a spam, quoi. C'était vraiment, c'était personnel, quoi. Il a pris ça au cœur. Qu'est-ce qu'on fait, Vinny? C'est toi qui décides. Il t'a insulté directement, toi. Mais pour moi, si un modérateur se fait insulter, ça mérite un ban. Débanne-le si tu veux, mais je le mets sous surveillance MDR. De toute façon, je pense pas que les gens qu'on va déban, ils vont revenir dans le chat. Ça m'étonnerait, hein, parce que les gens qui ont été bannés, ils sont bannés il y a longtemps quand même. Hein. Vas-y, moi, je le banne. Parce que sinon, vous allez vous faire insulter à la longueur de journée, en fait. Pourquoi tu joues Sage? En vrai, t'as le niveau de plate or. Pour moi qui plate, il a pas le niveau d'un ascendant. Désolé, je vais plus écrire en majuscule. En fait, je l'ai pas ban parce qu'il a écrit en majuscule, c'est juste. En vrai, t'as le niveau de plate. Ouais, j'ai le niveau de plate or. C'est même pas genre diamant. Hein. C'est plate or. Juge pas le niveau des autres. Regarde. Dans le jeu. Attends, le retour. En fait, les gens, ils sont frustrés. Généralement, c'est les bas elo, ils sont frustrés parce que les autres, ils ont réussi à atteindre un certain elo. Hey Sanjay, tu vas bien? Comment tu fais pour bloquer tes FPS? Comment tu fais pour bloquer tes FPS? Rank, salut Sanjay, alors tu as réussi à atteindre IMO? J'étais en cours, je peux pas voir. Pas grave, tu feras meilleur la prochaine fois. C'est la game de l'IMO? Blablabla. T'as changé, j'espère, t'as pas de sub. Ouais, t'as changé, frère. Bonjour, vous pouvez me déban, s'il vous plaît, je m'excuse, j'ai dit qu'il avait changé. Après, il est un peu susceptible. 90 messages, il manque cette cam, cette victoire. En gros, il a dit que j'ai changé par rapport à avant quand j'avais pas de sub goal et tout. Je disais pas aux gens de sub, je rappelais pas aux gens. Et du coup, lui, il était parmi les gens qui aimaient pas. Que avant, je ne demandais pas de sub et que maintenant, justement, je encourage les gens à sub. Et du coup, il était pas content. Après, il a quand même mis, après, il est un peu susceptible. Ça, je suis pas sûr qu'il aurait dû ajouter ça, tu vois. Mais c'est un ancien viewer, il est là depuis longtemps. Bon, il est jamais sub, il est juste actif. C'est juste son opinion. Oui, mais il a donné son opinion, jugé. Là, c'est le jugement qu'il est en train de faire. C'est pas de donner son opinion. Qu'un streamer change ou pas, peut pas lui en vouloir de changer, en fait. C'est le cours de la vie. C'est plus un jugement. Moi, je vois ça comme un jugement, tu vois. Moi aussi, j'aime pas trop, mais je comprends, c'est ton gagne-pain. Il y a des gens dans le chat, ça vous dérange qu'on encourage des gens à se sub? C'est toujours le même débat, frérot. Comment vous pouvez ne pas aimer, genre, c'est. Ça vous regarde. Oh, de base, en vrai, ça regarde même pas en fait certains viewers que certains streamers demandent, encouragent les gens à sub parce que c'est quand même un métier. En fait, on n'est pas là gratuitement, tu vois. C'est pas possible. Soit vous êtes encore chez papa et maman et vous êtes très jeune et vous comprenez pas qu'il faut de l'argent pour vivre, pour survivre, ou soit je ne sais pas, frérot. Et ce que ça dérange, bizarrement, c'est toujours les no-subs, etc. En vrai, ça dérange juste si c'est abusé, mais c'est de temps en temps, ça va. Moi, ça me dérange pas, ça peut aider les streamers que j'aime. Demande pas, ça viendra tout seul, bah ça dérange, ils vont pas se sub. Mais moi je comprendrai jamais. Hein. Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. C'est à chaque fois il y a ces débats-là, et il y a des gens, ça leur dérange quand on encourage les gens à se prime ou sub. Dès qu'ils entendent le mot sub ou prime, ils sont pas contents, tu vois. Du coup, ce cas-là, je sais pas ce que je fais en vrai. Parce qu'un streamer, il change. Pour moi, le streamer, il doit être comme il est, et toi, t'as pas à faire de jugement sur oh, tu dois faire ça, tu dois faire ci. En fait, quand tu vas chez McDo, tu peux pas demander un kebab, c'est pareil. Si tu viens sur le live, t'aimes le live, tu regardes le live. Mais si le streamer, il dit des choses qui te dérangent, je quitte le live, tu vois. C'est vrai que tu demandes beaucoup, beaucoup, mais ça fait partie de toi, c'est trop marrant. Je demande beaucoup. Oh, le chat. Vous n'avez pas idée de. Si moi, je demande beaucoup, vous n'avez pas idée d'autres streamers. Je dis pas sans citer de nom, évidemment. Mais bon, bref. Moi, je vais rejeter sa demande. Parce que pour moi, un streamer, tu dois accepter comme il est, tu vois. Tu peux pas venir sur un live d'un streamer et dire qu'il a changé, qu'il doit pas faire ça, qu'il doit pas faire ci. Juste pour ça, je le bats. En plus, il est susceptible. Moi, je pars du fait que tu cliques sur un live, t'aimes le live, tu restes. T'aimes pas le live, tu quittes. Tu vas pas juger le streamer. Pour moi, ça, c'est mauvais, donc je le banne. Oh! Jure, là, pendant le tribunal des débats, il y en a un, il a mis ça, là. No way. Désolé, après un cours SVST, transition, je voulais partager certaines connaissances. Excusez-moi, je t'aime, mon bébé. En plus, c'est son premier message. C'est fini de jouer sans skin? Non, mais même là, alors. Juste pour passer. En fait, désolé, j'ai abusé, mais je voulais trop passer dans le tribunal des bannis et j'avais vu des Shrek. C'est à toi de décider de mon sort, mais est-ce que tu me débannes? Je claque mon prime. En fait, vous voyez ce genre de personne? Vous voyez comment je les vois? C'est-à-dire qu'il a un prime qui dort, qu'il n'a jamais claqué à personne, tu vois. Ni à moi, ni à d'autres streamers. Du coup là, lui son argument c'est qu'il claque son prime, c'est-à-dire que depuis tout ce temps il a un prime qui dort, qu'il partage à personne.
Sur quand on dit personne, c'est vraiment c'est gratuit, mais il partage à personne. Mais là, il veut bien le claquer si je le débanne. Après, en fait, je comprends pas parce que quoi l'intérêt de passer dans le tribunal des bannis. Parce qu'au final, il a juste marqué ton pseudo, quoi. C'est pas fou de passer dans un tribunal des bannis. En plus, il a spam son truc de Shrek. Après, il s'est excusé. Bon, Julie fera le taf. De toute façon, Julie, elle a toujours les données sur tout le monde. Voilà. C'est la fin du tribunal des bannis. 2 heures pour traiter sans demande, putain. Ah, je me suis fait mal à la langue. T'es tellement investi, c'est fou. T'as vu ça? Il y en a eu des cas. En vrai, ça va. En vrai, je trouve que la plupart. Je pense qu'il y a des tribunaux des bannis bien plus violents que ça. Moi, je trouve que chez nous, ça va.